Londres, juin 2018. Welcome to day 3 of our World Championship event for season 5 of the... To see some of the best Rocket League in front of the best crowd in the world. C'est la cinquième saison des championnats du monde de Rocket League. Nobody from NRG was taking the bait. Devo up high. That is going to drop down fire, but it will not be there. Devo with an incredible double tap. They have to keep this one alive. Alon's going to keep following. That's going to happen. Alon! In more than 23 seconds now before a sweep will be locked in for Cloud9. Mid-air, bump! Et on est en grande finale. Le français K-Dop, Turbo Polsa et Violent Panda d'un côté. Les américains Fireburner, Garrett J et Justin de l'autre. Pour la première fois de l'histoire des RLCS, deux continents différents vont décider du gagnant sur Champions Field, le terrain joué uniquement lors de la dernière manche possible d'un match. L'arène de Londres vibre. Il est là le pinacle des championnats du monde. Le moment qui restera dans les mémoires. L'Europe a gagné, et avec ses fans. Ça, c'est l'introduction. On peut passer au sujet maintenant. Le but a été marqué à 4 secondes de la fin. Dans 4 secondes, K-Dop remporte son deuxième titre de champion du monde. Dans 4 secondes, l'Europe sera sur le toit du monde. 4 secondes, c'est tout ce qui reste à NRG pour créer un miracle. Surtout qu'à peine le temps de reprendre son souffle que le replay du but est déjà passé. Les trois joueurs apparaissent et savent très bien que pour marquer, le meilleur moyen, c'est de mettre un but à l'engagement. C'est un truc qu'on voit souvent sur Rocket League. Un bon challenge qui permet de faire la différence s'il est suivi par toute l'équipe. Le décompte est terminé, Garrett J va chercher le boost, Fireburner avance au milieu et Justin s'élance au premier plan. Quelle que soit la stratégie d'NRG, tout dépend de la qualité du duel pris au milieu du terrain par Justin. En face, le positionnement des joueurs est le même, à une seule différence. Le dernier joueur est symétrique. Il part dans la même direction que Garrett J, et ça, Justin le voit. La première information que ça donne, c'est que Dignitas veut bloquer la possibilité d'un ballon qui irait fort sur le mur droit et qui donnerait une action dangereuse à Garrett J qui est parti sur ce même côté. La deuxième information, c'est que du côté gauche, il y a de l'espace. Donc Justin a juste la trajectoire de sa voiture et force le duel avec un flip. Sur la vue de Justin, la balle est super intéressante. En l'air, dans la continuité du duel. Il suffit juste que le joueur derrière lui soit rapide. Mais il vient pas. Parce qu'au moment de l'engagement, Fireburner, joueur d'expérience, n'a pas voulu prendre de risque. Par rapport à K-Dop, il est beaucoup moins engagé, beaucoup moins avancé. Le temps qu'il arrive sur le ballon, le français a largement le temps de l'envoyer loin dans le camp adverse. Justin est trop loin, Fireburner aussi, et le timer arrive à zéro. La stratégie à l'engagement n'a pas fonctionné. Dans Rocket League, il y a une règle un peu spécifique. C'est que quand le chrono est à zéro, pour que la partie s'arrête, il faut que la balle touche le sol. Tant que c'est pas le cas, pour NRG, il y a encore de l'espoir. Et cet espoir, dans l'écran de Justin, il s'appelle Garrett J. À quelques pixels près, NRG reste en vie. En une demi-seconde, Justin se repositionne et analyse la situation. Cette balle, sur le côté, c'est Valen Panda, le joueur de Dignitas qui l'aura en premier. Mais autour de lui, Garrett J et Fireburner l'encerclent, un devant, un derrière, et vont donc le forcer à jouer rapidement. Justin y connaît bien Valen Panda. Tous les joueurs pros se connaissent. C'est pas un joueur qui prend des risques, et encore moins un moment aussi important. Dans sa position, la solution la plus sûre, c'est de la balancer le plus loin possible. Donc pas le choix, il faut faire demi-tour. Grâce à son anticipation, Justin change totalement le cours du jeu. Plus besoin de courir après la balle pour pas qu'elle touche le sol, il peut désormais prendre le temps et préparer la contre-offensive. Ses coéquipiers sont derrière lui, prêts à se retourner pour passer de la défense à l'attaque, et il le sait. Le seul problème, c'est que le milieu de terrain est gardé. Derrière les joueurs d'NRG, Turbo Bolsa attend que le ballon vienne à lui et dès que Justin frappe la balle dans le mur, il saute. Mais il saute tôt en fait. Tellement tôt qu'il est obligé de rectifier sa trajectoire une fois en l'air, et ça, ça lui fait perdre l'avantage sur le duel à venir. Parce que si Justin voit l'erreur du Suédois, alors Fireburner, l'un des meilleurs duelistes du monde, ce petit détail dans le positionnement de la voiture de Turbo Polsa, il l'analyse déjà. A son niveau de jeu, il n'y a plus qu'à s'adapter. Turbo Polsa va forcer la balle à partir vers la droite, ça se voit à la position de sa voiture. Si Fireburner frappe trop fort ou pas assez, il y a un risque que personne ne puisse reprendre le ballon avant qu'il touche le sol. La meilleure option, c'est de la garder vers le milieu du terrain. Il adapte sa vitesse, se positionne et vise. Ni trop haut, ni trop bas.
Dans toutes les compétitions qui existent, il y a un certain stade où on peut se demander à quel point la chance rentre en jeu. Lorsqu'un tir est dévié au foot, anticiper une météo favorable en Formule 1, ou un rebond d'un ballon de rugby qui arrive dans les bras d'un ailier. Puisque dans tous ces exemples, on peut compter des paramètres impossibles à calculer sur le moment pour un être humain. Et pourtant, toutes ces situations ont le même point commun. Elles existent. Elles existent pour la simple et bonne raison qu'on a maximisé les chances de leur réussite. Et au vu de la vitesse du jeu, du temps qu'il a pour s'ajuster et de la distance qu'il sépare de là où il vise, on pourrait se dire que Fairburner a eu de la chance. Mais lui, il s'est juste positionné de la meilleure manière possible pour la provoquer. À cet instant, quand t'es Justin et que tu vois le travail que vient de réaliser ton coéquipier, ta seule envie c'est de faire pareil. Alors quelques millisecondes après le rebond, tu t'élances. Et le temps de rattraper la trajectoire du ballon, t'observes. Vallenborda est trop loin, il pourra rien faire. La seule menace ici, c'est la difficulté du tir et K-Dop. Mais Fairburner est là et il menace de le démolir. Ça oblige le français à passer sur le mur pour défendre. Cette position en tant que défenseur est vraiment pas simple, puisque ça t'oblige à te lancer à mi-hauteur pour dégager la balle. Et pour ça, faut prendre de la vitesse, surtout si le tir part du côté opposé. En fait, la première préoccupation d'un défenseur sur son propre mur, c'est le côté opposé du but par rapport à lui. Et quand tu joues à 0 seconde de la fin depuis 15 secondes dans la manche finale des championnats du monde, c'est plus une préoccupation, c'est une hantise, c'est une obsession. Avec un ballon aussi haut, un angle aussi dur à placer sans que la balle touche le sol et toutes ces informations récoltées en pleine aérienne, je vous laisse deviner l'endroit où Justin a décidé de tirer. 4 secondes left. NRG need this immediately. They've got the kick off in their favor. K-Dop tries to clear. It is almost there. It just hits the floor. Final Panda puts it the long way. And it's almost there. Justin keeps it alive. Turnipas are there. Bounces into the corner. NRG still around. Justin is there for the shot. Justin! Justin! This is Rocket League! Le temps d'une aérienne, le monde de Rocket League a retenu son souffle. Tout le spectacle et la tension que peut offrir ce jeu, tout était concentré dans un seul tir. L'action prend une telle ampleur que This is Rocket League devient utilisable en chat rapide pour tous les joueurs en jeu. Sur YouTube, les vidéos qui mentionnent ce moment font des millions de vues et Justin est devenu en partie grâce à ce but une légende du jeu. Parce que ce but, c'est le symbole de Rocket League. Un jeu de rivalité, rempli d'hésitation, de tension, mais aussi de vitesse, d'instinct, de collectif, de précision et de sang-froid. Et aujourd'hui encore, malgré les buts extraordinaires marqués depuis, ça reste lui, le seul à cocher toutes les cases. Le plus beau but de l'histoire des RLCS. T'imagines ce que ça aurait donné si NRG avait gagné l'overtime derrière ? Turbo Pulse with it up high, gets the flick, Turbo!